Bonsoir tout le monde. Bon. Salut. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris une partie ou je peux revenir? Madame, il y a des questions. Il y a une chose petite, mais on va à la partie qui est là. Sinon, on fait la diagonalisation ou la. Hey. Juste qu'on dit que nous avons le polynôme caractéristique. Nous avons un chauffeur sans dé ou l'aller. Donc, là, je m'en fais le charge ou moins. Je dois faire au cœur. Je te dis, là, je m'en fais la dimension 2. Le moins, il dit que je vais venir. Il dit qu'il y a un temps à donner mon bébé. Il dit qu'il y a un temps à donner mon bébé. Il dit qu'il y a un temps à donner mon polynôme les bacs. معليش تدخل فيها تونا تونا تو كي نخلطو له اسئله لي كيستيون دي ما فهمتش الكيستيون نتاعك بالضبط تو كي نخلطو البولينوم ساندي نرجع نقول لك شنو مدام السؤال بالضبط اي مدام يا اخي دروس الانكلو في الاكزامان كل شيء ما قلت بعثت لكم انا ما وصلكمش الميل جي انفويي ان ميل تو الموند دون لوكيل جي دي ماتريس déterminant, réduction, puissance d'une matrice. J'ai enlevé juste la partie système linéaire pour le. Le grammaire, voilà, grammaire et méthode de pivot de Gauss pour résoudre un système linéaire ne font pas partie, ne feront pas partie de la session principale hein, pour le non, pour le rattrapage, je ne sais pas. D'accord. Ok. Madame, que la trigonalisation. Non, 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 non. Juste une partie que j'ai mis pour vous. Peut-être une fois, vous aurez besoin. Ou... Non, non. La carite à l'aider. Ok. Juste la puissance de matrice. Oui. Linéaire, on va voir la puissance. On a vu ensemble la puissance de matrice. Oui, madame. On l'a vu. D'accord, mais la trigonalisation, non. Alors, on va commencer la série de révisions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà. Voilà. On considère la matrice A. Calculer le polynôme caractéristique de A, en déduire les valeurs propres de A, montrer que A est diagonalisable. Ça, c'est classique hein, dans cette série. J'ai mis les deux types d'exemples que vous pouvez rencontrer. Bien sûr, la diagonalisation fera une bonne partie de l'examen. C'est tout à fait normal parce qu'elle elle résume tout, hein. Donc il y a le calcul de déterminant, l'inverse, etc. Donc c'est une partie très importante, donc suivez bien. Il suffit de comprendre ces deux exemples et s'entraîner à faire le calcul parce que la moindre faute de calcul, l'exercice, tout l'exercice sera faux. Hein. Donc, on considère la matrice A, calculer le polynôme caractéristique de A, en déduire les valeurs propres de A, montrer que A est diagonalisable, déterminer une base de chacun des sous-espaces propres. Alors, pour vous aider toujours, je vous donne ou bien en déduire que les valeurs propres sont 0, 1, 2. D'accord? Comme ça, si vous avez une faute dans le polynôme caractéristique, vous devez refaire le calcul pour trouver les valeurs propres que j'ai données. D'accord? Ou bien, je vous donne ces espaces-là. Pour vérifier, hein, parce que la moindre faute de calcul, si le polynôme caractéristique est faux, tout est faux. Donc, c'est pour ça, pour vous aider, je vous donne toujours une indication dans les questions suivantes. D'accord? Alors, là, à partir de là, je suis sûre que les valeurs propres seront 0, 1 et 2. OK? En déduire P et D, tel que A est égal à P et D, P moins 1, avec P est une matrice d'ordre 3 et D est une matrice diagonale qu'on déterminera. D'accord? Voilà. Donc, ici, il suffit de donner P et D et ensuite déterminer P moins 1 et calculer A à la puissance 1.
On va voir la correction de l'exercice. Alors, le PA de lambda, c'est déterminant de A moins lambda fois I3. Il y a des livres qui mettent déterminant de lambda I3 moins 1. Non, il faut suivre la notation du cours. D'accord ? Le PA de lambda, c'est déterminant de A moins lambda fois I3. Donc, sur la diagonale, j'enlève lambda. Toujours sur la diagonale, j'enlève lambda. Voilà. Et je calcule le polynôme caractéristique. D'accord ? Là, il est prêt, le polynôme, parce que dans cette ligne, on a deux zéros. S'il n'y a pas des zéros, par exemple, je dois faire des combinaisons de façon à faire apparaître deux zéros dans une même ligne ou deux zéros dans une même colonne. Sinon, le déterminant ne sera pas factorisé. Sinon, si ce n'est pas possible de faire apparaître ces deux zéros, on va trouver un polynôme de, par exemple, si on va trouver un seul zéro ici, on va trouver, par exemple, si on a trouvé, par exemple, ici, lambda au carré moins 2, lambda plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, c'est impossible de trouver ces zéros. Hein? Alors, si on trouve, par exemple, 1 moins lambda, fois lambda au carré moins 2, lambda plus 2, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver les valeurs propres? On doit factoriser. Voilà. On fait le discriminant. On va trouver un polynôme de second degré. D'accord ? On doit le factoriser. Quelles sont les racines d'un polynôme de la forme ? Il faut se rappeler de ce. Je n'ai pas fait un exemple et je crois que dans le TD, vous n'avez pas un exemple de ce type, mais il faut se rappeler des racines du polynôme de premier et de deuxième degré. Alors, si on a un polynôme de la forme A lambda au carré plus B lambda plus C, comment on calcule le delta, le discriminant? B carré moins 4. Très bien. Le delta, vous notez dans un papier si vous avez oublié. Si on a un polynôme de la forme A lambda au carré Q, disons Q égale A fois lambda au carré plus B fois lambda plus C. Alors, delta égale B au carré moins 4AC. B au carré moins 4AC. Et les racines de Q sont lambda prime égale moins B plus racine de delta sur 2 fois A. Et lambda seconde, l'autre racine, c'est égal à moins B plus, donc la première plus, la deuxième moins racine de delta sur le tout sur 2 fois A. Ce sont les racines du polynôme de deuxième degré. Donc, si jamais on n'arrive pas à trouver les zéros, on va trouver un polynôme fois un autre polynôme de deuxième degré. Il faut le factoriser. Donc, il va s'écrire A facteur de lambda moins lambda prime fois lambda moins lambda seconde. D'accord ? Et comme ça, on va trouver les valeurs propres. OK ? Alors, là, donc, j'ai dit que c'est prêt. Donc, on va développer suivant la deuxième ligne. Donc, je barre la deuxième ligne et la deuxième colonne. D'accord ? Je trouve 1 moins lambda fois. Le déterminant qui reste, c'est 1 moins lambda moins 1 et 1 moins lambda. Et je fais le produit 1 moins lambda fois 1 moins lambda, 1 moins lambda au carré. Il y a le signe moins. Faites attention là. Il y a le signe moins de l'opération et moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, moins 1. D'accord ? On développe maintenant 1 moins lambda au carré, c'est égal à 1 moins 2 lambda plus lambda au carré. C'est de la forme de A moins B le tout au carré. A moins 2AB plus B au carré. D'accord ? Donc, moins 1. Donc, ça fait le 1 et le 1 se simplifient. Lambda au carré moins 2 lambda. Donc, c'est égal à lambda fois 1 moins lambda fois lambda moins 2. OK ?
il faut le donner factorisé. Hein. Ensuite, la question, c'est trouver les valeurs propres de A. Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme caractéristique, qui sont lambda égale à 0, lambda égale 1 et lambda égale 2. Quelle est ta question, mademoiselle, concernant le polynôme caractéristique? Madame, je peux te dire, مثال معناتها إذا كان جيت فوض اللامدا موان دو تكون عنا لامدا موان زان موش نخرجو احنا موان البارا بشكيكة تولينا عنا موان لامدا وكاري نحكيك على موان البارا نية اسكو هي تقلق ولا نحسبها عادي معناتها نخليها هكيكة خليها انتي بعض في اللي غاسين انتي ما همكش فيها انتي ما هم بعض حاسب اللي غاسين غاسين دو موان بي ولا بي كيف كيف ما تقلقش الموان في اللي غاسين مثلا كالقيت موان لامدا فوا موان لامدا وكاري Donc, tu m'as dit que les racines, c'est 0 et 1. D'accord? Pourquoi est-ce que je signe moins? Khali à la roue, ou est-ce que je signe moins? Je signe moins ou je souffle les racines en terre. D'accord? Donc, lambda est une valeur propre de A, si seulement si PA de lambda égale à 0, c'est-à-dire lambda égale à 0, lambda égale 1 ou lambda égale 2. Une matrice A appartenant, alors la question est montrer que A est diagonalisable. Donc, j'ai dit, on a deux cas. Nous sommes dans le premier cas, c'est que la matrice est d'ordre 3. Elle contient 3 lignes et 3 colonnes. Okay? Et elle admet 3 valeurs propres distinctes. Donc, directement, j'ai dit qu'elle est diagonalisable. Okay? Maintenant, il a dit... Montrer que A est diagonalisable, déterminer une base de chacun des sous-espaces propres E0, E1 et E2. À partir de là, je constate que 0, 1 et 2 sont les valeurs propres. Donc, mon calcul est correct. Je ne suis pas obligée de le refaire. Alors, on va chercher E0. Alors, grand X égale X, Y, Z appartient à E0. E0 par E lambda, dans le cas général, c'est égal. C'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Le E lambda, c'est R de 1 moins lambda fois I3. Donc, le E0, c'est R de 1 moins 0 fois I3. C'est-à-dire que R de 1. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? X appartient le noyau d'une matrice, c'est-à-dire A fois X est égal le vecteur nul. Donc, c'est ça la matrice A, je la remplace avec quand X égale X, Y, Z. OK? Et je donne directement le système. Comment je fais le système? Ligne fois colonne. X plus 0, Y moins Z, c'est-à-dire X moins Z est égal à 0. Ensuite, toujours ligne fois colonne, 0 fois X plus 1 fois Y plus 0 fois Z, c'est-à-dire Y est égal à quoi? Y est égal à 0. La troisième ligne, c'est moins X plus 2Y plus Z est égal à 0. J'essaie toujours d'éliminer le maximum de variables, ok? De données... si c'est possible, en fonction d'une seule variable. Sinon, il va rester deux variables. Alors, x est égal à z, y est égal à 0. Alors, je remplace x par z, moins x, c'est-à-dire moins z, plus 2y, c'est-à-dire plus 0, plus z est égal à 0. Donc, j'obtiens 0 est égal à 0. Donc, x est égal à z, y est égal à 0. D'où x appartient à E0, si seulement si x, y, z égale. Il faut faire attention à la rédaction, hein. Il ne faut pas rédiger n'importe comment. Donc, si seulement si x, y, z égale, alors le x est égal à z, le y égale à 0, je le remplace, et le z, je le laisse. Donc, j'ai obtenu en fonction de z. Donc, z fois, je mets maintenant les coefficients de z dans le vecteur, z fois 1, je mets 1. Z fois 0, je mets 0. Et Z fois 1, je mets 1. OK? D'où E0 égale vecteur de 1, 0, 1.
Et 1, 0, 1 est une base de E0. Je suis obligée de le dire. Je ne donne pas, je ne détermine pas E0 uniquement. Il a dit déterminer une base. Donc, je donne la base. OK? Alors, maintenant, X appartient, je vais déterminer E1. X appartient à E1 si et seulement si R de A moins lambda fois I3. Ici, le lambda est égal à 1. Donc, R de A moins 1 fois I3. Avec I3, c'est la matrice identité. Ça veut dire quoi? X appartient au noyau d'une matrice. C'est-à-dire la matrice, toute la matrice fois X est égale à 0, 0, 0. Alors, A moins I3, comment je fais A moins I3? Comment j'obtiens A? Voilà, je dois enlever 1 de la diagonale. Ou bien, j'ai A moins lambda fois I3. Regardez. D'accord? Donc, je remplace lambda par 1. Mais ici, calcul de déterminant. Et je dois faire attention, je dois remplacer lambda par la valeur que je veux, mais avant de faire les transformations. Si j'ai fait une transformation sur le déterminant, non, je ne dois pas utiliser la matrice transformée. Je dois utiliser la matrice de départ. Et je remplace à chaque fois lambda par la valeur correspondante. Donc, je remplace lambda par 1, car de 1 moins lambda fois I3, ici lambda égale 1, et je fais le calcul. Donc, 1 moins 1, c'est 0, 0, et 1 moins 1, c'est 0, et le reste reste tel qu'il est. Voilà, donc c'est ça, A moins I3 fois grand X, c'est-à-dire fois X, Y, Z, égale 0, 0, 0. Et je crée les systèmes, ligne fois colonne. 0 fois X plus 0 fois Y moins Z. Moins Z égale 0. La deuxième ligne, elle va donner 0 fois X plus 0 fois Y plus 0 fois Z égale 0. 0 égale 0, c'est évident, donc je ne l'écris pas. La troisième ligne, elle donnera moins x plus 2y plus 0 fois z, c'est-à-dire moins x plus 2y égale 0. Donc, j'obtiens z égale à 0 et x égale 2y. Je les remplace. Je peux aussi tirer le y en fonction de x. Y égale 1 demi de x et je le remplace. Hein. Vous n'êtes pas obligé de trouver tous le même résultat. Hein. Vous pouvez avoir des vecteurs différents. Ça dépend de la variable avec laquelle vous avez exprimé les autres variables. Okay? Alors, j'ai dit x égale 2y. Le y, c'est bon. Je le laisse. Et le z égale 0. Donc, je mets y en facteur de 2, 1, 0. D'où E1 égale vecteur de 2, 1, 0. Et 2, 1, 0, il manque ici quelque chose, 2, 1, 0 est une base de E1. Okay? Je passe à E2, la même chose. X appartient à E2. Si seulement si X appartient à quart de A moins lambda fois I3, ici le lambda égale 2. D'accord? Si seulement si A moins 2 fois I3 fois X est égal à la matrice, toute la matrice fois X est égal à 0, 0, 0. Donc, A moins 2 fois I3. Sur la diagonale de A, je vais retrancher 2. Alors, je remplace lambda par 2. OK? A moins 2, ça fait moins 1. A moins 2, moins 1. Et A moins 2, c'est moins 1. Et le reste, on l'écrit tel qu'il est. OK? Voilà, moins 1, moins 1. Et on a écrit le reste des coefficients. Fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, je fais ligne fois colonne. Moins x, moins z est égal à 0. Moins y est égal à 0. Et moins x plus 2y, moins z est égal à 0. D'accord? Alors, le y est égal à 0 à partir de la première équation. Le z, le moins z vient de ce côté, il devient z. Z est égal à moins x. Et je remplace le tout en fonction de x dans la dernière équation que je n'ai pas utilisée.
Alors, moins x plus 2y, c'est-à-dire plus 0, plus moins z. Le moins z est égal à x. Moins z est égal à x. Donc, j'écris plus x. Moins x plus x, ça fait 0. Donc, on a 0 est égal à 0. C'est évident. Donc, y est égal à 0 et z est égal à moins x. Donc, x, y, z égale. Alors, x, le y est égal à 0 et le z égale moins x. Donc, x fois 1, 0, moins 1. D'où E2 égale vecte de 1, 0, moins 1. Et 1, 0, moins 1 est une base de E2. OK? La question suivante dans l'exercice. On a déterminé une base de chacun des sous-espaces propres. En déduire... Ah non, c'est l'exercice 1. Je me trompe toujours. Donc, on a déterminé une base de chacun des sous-espaces propres. Ensuite, on va donner P et D, tel que A est égal à P, D, P moins 1, et D est une matrice diagonale. Voilà. Donc, puisqu'on a dit que A est diagonalisable, ça veut dire quoi est diagonalisable? Elle s'écrit P, D, P moins 1. Le P en premier lieu, d'accord? Avec P, comment on construit la matrice P? Comment on fait la matrice P? Les vecteurs, les rénières. Très bien. Donc, les vecteurs qu'on a trouvés, base des sous-espaces propres, on les met tels qu'ils sont. Alors, en premier lieu, on a trouvé la base de E0, 1, 0, 1. On le met comme première colonne. Deuxième colonne, c'est la base de E1. On a trouvé 2, 1, 0. On le met. Et le troisième vecteur, c'est la base de E2, c'est 1, 0, moins 1. Une remarque importante ici, si la matrice admet trois valeurs propres distinctes, alors tous les sous-espaces propres seront de dimension 1. D'accord? Si vous trouvez un sous-espace de dimension 2, il est engendré par deux vecteurs. Non, c'est faux. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a trouvé pour chaque sous-espace propre, on a trouvé un seul vecteur comme base. Et ça, c'est vrai pour tous les cas où la matrice admet trois valeurs propres distinctes. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la matrice P. Et sur la diagonale D, qu'est-ce que je fais? Sur la diagonale de D, donc c'est une matrice diagonale. Donc, sur la diagonale de D, qu'est-ce que je vais mettre? Les valeurs propres. Les valeurs propres qu'on a trouvées ici. Lambda égale à 0, 1, 2. Je les mets sur la diagonale. Mais je dois faire attention. Je dois suivre le même ordre avec lequel j'ai construit la matrice P. Alors, 1, 0, 1, c'est une base de E0 qui est sous espace propre associé à la valeur propre lambda égale à 0. Donc, je mets le 0 en premier lieu. Donc, ça, c'est le vecteur base de E1 qui est sous espace propre associé à la valeur propre lambda égale 1. Donc, je mets 1 en deuxième lieu. Et ça, c'est la base de E2. Donc, je mets le 2 en dernier lieu. D'accord? Vous êtes libre de suivre n'importe quel ordre avec la matrice P, à condition de le respecter en donnant la matrice D. OK? Alors, la question suivante, c'est déterminer P-1. Pour la détermination de P-1, on peut vous demander une méthode. Par exemple, déterminer P-1 en utilisant la méthode du système. Déterminer P-1 en utilisant un pivot de Gauss. On a vu la méthode du système, la méthode de pivot de Gauss et la méthode de cofacteur. Vous savez, c'est quoi? C'est quoi la méthode de cofacteur? Qui me rappelle de la formule? P-1 égale à quoi? C'est égal à A sur A fois transposé dans son matrice. Très bien. Donc, la méthode de cofacteur, le P-1 égale 1 sur déterminant de P transposé de comatrice de P. Il faut connaître les trois méthodes parce que parfois, on vous impose la méthode. Okay?
Donc, si vous le faites avec une autre méthode, c'est faux. C'est considéré zéro. D'accord? Alors, mais là, je vous donne la liberté de terminer P-1 sans indiquer la méthode. Donc, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle méthode. Moi, j'ai utilisé ici la méthode du système. Donc, j'ai dit les systèmes ne font pas partie de l'examen. Je ne veux pas dire que n'importe quelle résolution du système. Non, le système, je veux dire pas la méthode, les formules de Cramer, la résolution du système avec pivot de Gauss, mais les systèmes, on peut les rencontrer partout. Hein? D'accord? Alors, déterminer P-1. Donc, soit grand X égale X, Y, Z. Et grand Y égale A, B, C, avec une bonne rédaction. PX est égal à Y, donc ça c'est la matrice P, fois grand X égale X, Y, Z, égale A, B, C. Alors je fais ligne fois colonne, donc la première ligne fois la première colonne, elle va donner X plus 2Y plus Z égale A. La deuxième ligne, elle va donner Y est égal à B. Et la troisième ligne, elle donnera X moins Z est égal à C. Alors, qu'est-ce que je fais dans le système? Je dois arriver à exprimer X, Y, Z en fonction de A, B et C. Je peux faire 1 plus 3. Pourquoi? Dans le but d'éliminer le Z. Donc, je remarque qu'il y a plus Z et moins Z. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 1 plus 3. Donc, 1 plus 3, ça fait X plus X, 2X. Plus 2y et le z s'en va. D'accord? 2x plus y égale 1 plus 3, c'est-à-dire a plus c. Alors, je laisse le y égale à b et le z, je le ramène ici, z égale x moins c. Le z égale x moins c. Alors, 2x égale a plus c moins 2y, c'est-à-dire égale a plus c moins 2 fois B, parce que le Y est égal à B, ok? Le Y est toujours égal B, et le Z égale X moins C. Alors, je divise par 2 pour trouver le X. Le X égale 1 demi de A moins 2B sur 2, c'est-à-dire moins B, plus 1 demi de C. Le Y est égal à B, et le Z égale X moins C. Alors, voilà le X. 1 demi de A moins B plus 1 demi de C moins C. Alors, le X égale 1 demi de A moins B plus 1 demi de C. Le Y est égal à B et le Z égale 1 demi de A moins B, 1 demi de C moins C, c'est moins 1 demi de C. D'accord? Donc, je dois à la fin trouver le X, Y et Z en fonction de A, B, C en ordre. Je dois les mettre en ordre. A, ensuite B, ensuite C. Et je donne directement P-1. Et ça prouve, lorsque j'arrive à montrer que X est égal en fonction de A et Y en fonction de B et Z en X en fonction de A, B, C, Y en fonction de A, B, C et Z en fonction de A, B, C, si j'arrive à les exprimer, ça veut dire que P est inversible. Mais toujours, ces matrices sont inversibles, les matrices de passage. Hein. Alors, d'où P moins 1 égale, je mets les coefficients. Sur la première ligne, je mets les coefficients de X. D'accord? 1 demi en ligne. Faites attention, le P moins 1, on le donne en ligne. Alors, 1 demi moins 1, 1 demi. D'accord? Faut apprendre quand est-ce qu'on utilise les colonnes et quand est-ce qu'on utilise les lignes. Donc là, pour l'inverse, on utilise ligne. Donc la première ligne, c'est les coefficients de x, 1 demi moins 1, 1 demi. La deuxième ligne, c'est les coefficients de y. Il n'y a pas de a, donc je mets 0, 0 fois a. 1 fois b, donc je mets 1. Il n'y a pas de c, donc c'est-à-dire plus 0 fois c, je mets 0. La troisième ligne, c'est le coefficient de Z, c'est-à-dire 1 demi moins 1 et moins 1 demi. Et voilà, P moins 1. Il y a une question à ce stade? C'est bon, je continue. D'accord.
Alors, la question suivante, calculer A à la puissance N. Pour ça, pour le calcul de A à la puissance N, on a deux méthodes, deux genres d'exercices. Si on parle au début de P, P moins 1, ça veut dire on va utiliser cette formule. A est égal à P, D, P moins 1, puisque A est diagonalisable. Alors, A à la puissance N égale P, D à la puissance N, P moins 1. Et il y a l'autre qu'on a vu la dernière séance en présentiel, puissance de matrice. Il y a la, ce qu'on a, comme on a écrit la matrice A, on a écrit la matrice A comme étant une matrice N, nilpotente, plus la matrice identité. Et on a utilisé la formule de binôme de Newton pour calculer la puissance d'une matrice. Donc, on a les deux méthodes. Ou bien, formule de binôme de Newton, ou bien celle-là. Mais là, c'est clair qu'on va utiliser celle-là, puisqu'on a parlé de P, de D, etc. Donc, on a A est égal à P, D, P moins 1. Donc, A à la puissance N égale P, D à la puissance N, P moins 1. Et j'écris A à la puissance, donc ça, c'est la matrice P. D à la puissance N, comment je construis D à la puissance N? Sur la diagonale, j'élève les éléments de la diagonale à la puissance N, voilà. 0 à la puissance n, c'est 0. 1 à la puissance n, c'est 1. 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n. Voilà. Donc, ça, c'est P. P à la puissance n, j'ai dit 0, 1, 2 à la puissance n. Et ça, c'est le P moins 1 qu'on vient de trouver. OK? Je fais un produit matriciel normal. Les deux premières matrices, ligne fois colonne, bien sûr, on sait comment faire le produit matriciel. Donc, je multiplie par la troisième matrice. J'obtiens 2 à la puissance n. Par exemple, je regarde cette ligne fois cette colonne. Qu'est-ce qu'elle va donner? 0 fois 1/2, c'est 0. Plus 2 fois 0, 0. Plus 2 à la puissance n sur 2. Donc, on a 2 à la puissance n sur 2. 2 à la puissance n sur 2, je l'écris 2 à la puissance n moins 1. D'accord? C'est tout ce que j'ai fait. Et je fais le produit normalement. Donc, produit de trois matrices. OK? On passe à l'exercice 2. Julie Léon, c'est la deuxième situation que vous pouvez rencontrer dans un examen. D'accord? On considère la matrice A égale moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Calculer le polynôme caractéristique de A et en déduire les valeurs propres de A. Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A. En déduire que A est diagonalisable, c'est classique. Hein. Déterminer P et D tel que A est égal à P et D, P moins 1. D est diagonale. Calculer P moins 1. Ensuite, il y a une question. C'est ici, calculer A à la puissance N. Les mêmes questions. On va résoudre l'exercice 2. Voilà. Donc, PA de lambda, c'est déterminant de A moins lambda fois I3. Sur la diagonale, je retranche lambda. Donc, moins A moins lambda, moins A moins lambda, moins A moins lambda. Alors, il y a une astuce là. Elle n'est pas toujours utilisée, mais on peut la rencontrer. Donc, je remplace, je remarque si je fais la somme des lignes, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 moins lambda toujours. D'accord? Je vais remplacer la ligne 1 par L1 plus L2 plus L3. D'accord? Parce que ce n'est pas facile ici de faire apparaître deux zéros en même temps. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à cette. On réfléchit à cette astuce. Sinon, j'ai dit, si on arrive à faire apparaître un seul zéro, je développe normalement. D'accord, suivant la colonne ou la ligne qui contient ce zéro, je vais obtenir un polynôme de deuxième degré, je le factorise normalement. D'accord? Alors, L1, je la remplace par L1 plus L2 plus L3. Alors, j'obtiens moins 1 plus 1, 0, plus 1, donc 1 moins lambda. La même chose ici, 1 plus moins 1, c'est 0. Moins lambda plus 1. Donc, 1 moins lambda et 1 moins lambda ici. Je laisse les lignes 2 et les lignes 3 telles qu'ils sont. Donc, je peux mettre en facteur 1 moins lambda, facteur de cette ligne.
Donc, 1 moins lambda fois 1, 1, 1. D'accord? Donc, lorsqu'on a un réel facteur d'une ligne, je peux faire sortir du déterminant. Si on a une matrice, non. Pour faire sortir un alpha, alpha fois une matrice, tous les coefficients doivent être multipliés par alpha. D'accord? Mais là, c'est un déterminant. J'ai le droit de faire sortir le 1 lambda de la première ligne. D'accord? Donc, 1, 1, 1, 1 moins 1 moins lambda, 1, 1, 1 moins 1 moins lambda. OK? Là, c'est classique. Lorsqu'on a le 1 au-dessous de 1, qu'est-ce que je fais? L2, je le fais L2 moins L1 et L3, je le remplace par L3 moins L1. Ou bien, je peux travailler par les colonnes. C2 par C2 moins C1 et C3 par C3 moins C1. Je suis libre là. Alors, il y a le 1 moins lambda, je ne l'oublie pas. Donc, je laisse la ligne A telle qu'elle est. Je remplace L2 par L2 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 moins lambda moins 1, ça fait moins 2 moins lambda. Et 1 moins 0. Je remplace la ligne 3 par L3 moins L1. Ça fait 0. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 moins lambda, c'est moins 1. Ça fait moins 2 moins lambda. OK. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je développe suivant la deuxième ligne. Voilà. Lorsque je fixe une ligne, je dois mettre son signe. Je n'oublie pas. Toujours, je commence par plus, ensuite moins, ensuite plus, ensuite moins. Et je développe suivant cette ligne. Alors, je cache cette ligne et cette colonne. J'obtiens dans l'intersection moins 2 moins lambda. Donc, moins 2 moins lambda fois le déterminant qui reste, 1, 1, 0, moins 2, moins lambda. OK? Alors, ça fait 1 moins lambda fois moins 2 moins lambda fois moins 2 moins lambda fois 1 moins 0, c'est-à-dire moins 2 moins lambda. Alors, je fais sortir le moins de ce moins 2 moins lambda. Il reste donc moins facteur de 2 plus lambda, et je fais sortir le signe moins ici. Donc, moins fois moins, c'est plus. Ça fait donc 2 plus lambda, le tout au carré. D'accord? Il y a le signe moins, je simplifie. Fois 1 moins lambda. Ensuite, on va déterminer les valeurs propres de A. Alors, lambda est une valeur propre de A, si seulement si PA de lambda égale à 0, si seulement si lambda égale à 1 ou lambda est égal à moins 2. D'accord? On doit bien écrire les choses. Si jamais on fait une faute de calcul, je peux compter un 0,5 sur cette formule. OK? Alors, soit grand X, maintenant on va calculer les sous-espaces propres. Donc, maintenant, on n'a pas trois valeurs propres. Donc, c'est un deuxième cas. On a uniquement, la matrice est d'ordre 3 et on a uniquement deux valeurs propres. Donc, on regarde comment on va faire. La question suivante, c'est calculer les sous-espaces propres. Donc, on a E1 et E-2. Faites attention, donc E-2, parce que lambda égale moins 2 ici. D'accord? Alors, comme d'habitude, X appartient à E1. Juste une indication pour vous. 1 est une valeur propre. Quel est l'ordre de multiplicité de 1 ici, dans le polynôme caractéristique? L'ordre de multiplicité. On regarde. L'ordre de multiplicité, c'est la puissance qui est là. Hein? Donc, l'ordre de multiplicité de 1, c'est 1 parce que c'est à la puissance 1. D'accord? Donc, c'est une racine simple. Lorsque la racine est simple, systématiquement, on va trouver la dimension de sous-espace propre associée à lambda égale 1. On va trouver qu'il est de dimension 1. Si on trouve deux vecteurs, c'est faux. D'accord? Toute racine simple, on va trouver... Pour toute racine simple, on va trouver toujours la dimension de E lambda est égale à 1, si on a fait une faute. Et là, puisqu'elle sera diagonalisable, donc la dimension de E moins 2, elle sera est égale à 2. D'accord? Alors, soit grand, on va chercher E1, soit grand X appartient à E1. Oui. مدام تو كان تعقبيل قلنا انا تروى فالور ديستان الكاري عن دو فالور اما واحدة منهم دو راسين دوبل كيفاش نقوله مدام
diagonalisable. كيفاش تقول ديغوناليزابل؟ مازلنا يلزم طلع لي سوز سباس بروب. يلزم طلع لي قبيله في الكا هذاك تنجم ديريكت تو ديدوي اذا كان عندك ثلاثه وهي دوردو 3 ديريكتومون تو دي كال لي ديغوناليزابل. بور سو كا نو جو دو شيرشي E lambda, E1 ou E-2 et comparer la dimension de E1, la dimension de E-2 avec l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre. D'accord? Donc, on ne peut pas déduire directement ici qu'elle est diagonalisable. OK? On doit chercher d'abord les sous-espaces propres. Regarde comment on peut faire. Alors, soit grand X appartient à E1. D'ailleurs, regardez la position des questions ici. Regardez la différence entre cet exercice. Alors, il a dit en déduire les valeurs propres, montrer directement que A est diagonalisable, parce qu'on peut le faire. Par contre, dans cet exercice, calculer le polynôme et en déduire les valeurs propres. Ensuite, déterminer une base de chacun des sous-espaces propres. Ensuite, montrer qu'elle est diagonalisable, parce qu'on ne peut pas déduire directement à partir des valeurs propres qu'elle est diagonalisable. Alors, on va déterminer E1. Alors, X appartient à E1. E1, c'est quoi? E lambda, c'est R de A moins lambda fois I3. Donc, le lambda égale 1, on le remplace. R de A moins I3, c'est-à-dire A moins I3 fois X est égal à 0, 0, 0. Et comment je fais A moins I3? Le déterminant du départ, je le transforme en matrice. Mais je remplace lambda par 1. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, moins 1, moins 2. Mais avant de faire les transformations, faites attention. Donc, voilà. Voilà, moins 2 sur la diagonale et le reste est tel qu'il est. Alors, fois x, y, z égale 0, 0. Moins 2x plus y plus z est égal à 0. X moins 2y plus z est égal à 0. Et x plus y moins 2z est égal à 0. Alors, j'ai dit toujours, j'essaie d'éliminer le maximum de variables. Alors, si je fais a moins 2, je vais éliminer le z. C'est pourquoi je l'ai fait, cette opération. A moins 2, c'est moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Y moins moins 2y, c'est-à-dire y plus 2y, ça fait 3y, et le z s'en va, égale 0. Okay. Alors, je peux tirer le z à partir de cette équation. Le z est égal, je ramène le 2y ici, et le x, ça devient moins x. Alors, le z est égal à 2y moins x. Et je laisse la dernière équation telle qu'elle est. Alors, je peux diviser par 3 cette équation. Donc, j'obtiens moins x plus y est égal à 0. Le z égale 2y moins x. Je laisse la troisième équation telle qu'elle est. Donc, à partir de la première équation, j'obtiens y est égal à x. J'essaie donc d'exprimer tout en fonction de x. D'accord? Ou bien tout en fonction de y. J'ai la liberté. Donc, le y est égal à x. Le z égale 2 fois y, c'est-à-dire 2x moins x, ça fait x. D'accord? Et je vérifie tout dans l'équation que je n'ai pas utilisée. Alors, x plus le y, c'est égal à x, moins 2z, le z, c'est égal à x, c'est-à-dire moins 2x. 2x moins 2x, j'ai 0. 0 égale 0. Vérifiez. Donc, le y est égal à x et le z est égal à x. Donc, finalement, le x, y, z égale x, x, x. Je mets x en facteur, x fois 1, 1, 1. Donc, le 1, 1 égale vecteur de 1, 1, 1. Et je n'oublie pas de dire que c'est une base de 1. Alors, x appartient à E moins 2. Là, je dois faire attention. Il y a un signe moins. Donc, R de A moins lambda fois I3. Le lambda est égal à moins 2. Donc, moins moins 2, ça fait plus 2, R de A plus 2 fois I3. Donc, sur la diagonale, j'ajoute 2. Voilà. Lambda est égal à moins 2. Donc, moins 1, moins moins 2, c'est-à-dire plus 2.
moins 1 plus 2, ça fait 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est 1 plus 2 fois i3 fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, on a une seule équation, c'est la même. Hein? Par, les trois lignes, ils donnent la même chose. X plus y plus z égale à 0. Donc là, je ne peux pas exprimer en fonction d'une seule variable. Je suis obligée de trouver deux variables. Ou bien je tire le z en fonction de x, y, ou bien le y en fonction de x, z, comme je veux. Je tirerai là le y en fonction de x et z. Le y est égal à moins x moins z. OK? Donc, le x, y, z égale, alors x, le y c'est moins x moins z, et je laisse le z. Donc, je vais exprimer en fonction de x et z. OK? Donc, le x, je le laisse tel qu'il est. Le z est tel qu'il est. Le y égale moins x moins z. Donc, j'ai deux variables qui restent à la fin. Je mets le x et le z en facteur. Je mets le coefficient de x 1 moins 1. Il n'y a pas de x, je mets 0. Plus z fois, je mets le coefficient de z. Il n'y a pas de z, je mets 0. Donc, z fois moins 1, je mets moins 1. Z fois 1, je mets 1. Donc, le e moins 2, il est engendré par deux vecteurs, u et v. Alors, je dis directement avec U égale et V égale. Alors, directement, que je dis que c'est une base hein, libre et génératrice. Ce n'est pas la peine de vérifier que c'est libre. Hein. C'est clair parce que les zéros ne sont pas dans la même position. Ils sont directement libres. Hein. Dans l'examen, vous n'avez pas le temps de vérifier qu'ils sont libres. Donc, vous dites directement qu'ils sont libres. OK? Alors. Madame. Là, je... Oui. مدام بلي نجم مدام ديمونتري في عوض مدام فكرت كا هذيا في عوض ما كنا قاعد نعمل في تروا فالور ديستان يعني ما مجناش مدام تروا فالور ديستان جتنا كل دو فالور هذوك بس انا نفهم فك الاو زيرو ولا نجم مدام تقول اللي هي نجم نكتبها في السوفورم دو بولينوم ساندي وتقول دونك اللي ديغونيزابل تول ولا ليه؟ لا لازم تي كومبا خاطر ينجم يطلع لك هي عندها دو فالور هي دو فالور بروبر مثلا ينجم يطلع ديمونسيون تاع او 2 هنا طلعت لنا ديمونسيون تاع او موان 2 ايغال 2 كاين دو فيكتور في او موان 2 ينجم يطلع عليه ينجم يطلع او موان 2 فيه كاين فيكتور واحد باز واحده دونك ا سو مومون اي ني با دياغوناليزابل دونك يلزمك ديما تو كومبار تو دو توجور كومباري لا ديمونسيون دي سوز اسباس بروبر افيك لوردر دو ملتيبليسيتي داكور Bon, il faut calculer les sous-espaces dans ce cas. Il faut calculer, donc on a calculé les sous-espaces propres, E-2, on a trouvé une base, et une base de E1, E1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? PA de lambda égale 1 moins lambda fois 2 plus lambda au carré, et on dit qu'il est polynôme scindé, toujours il sera scindé, d'accord? Bien sûr, dans l'examen, mais il y a des exercices qui ne sont pas scindés. Ça veut dire quoi, scindé? C'est-à-dire, il s'écrit comme produit de polynômes de premier degré. Oui, parce qu'il s'écrit 1 moins lambda fois 2 plus lambda fois 2 plus lambda. Donc, il est clair qu'il est scindé. Donc, ensuite, donc, polynôme scindé. Ensuite, on dit que la dimension de chaque, on vérifie que la dimension de chaque sous-espace propre égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre. On regarde la dimension de E1. C'est pourquoi on a calculé de E1. La dimension de E1, c'est 1. Est-ce qu'elle est égale à l'ordre de multiplicité de 1? Oui, parce qu'on a la puissance 1. Donc, on l'écrit. La dimension de E1 égale 1, égale M1. Avec M lambda, bien sûr, c'est l'ordre de multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Et on compare pour E-2. La dimension de E-2, combien on a trouvé la base? Elle est formée de deux vecteurs. Donc, la dimension de E moins 2 égale 2. C'est égal exactement l'ordre de multiplicité de moins 2. L'ordre de multiplicité de moins 2, c'est quoi? C'est 2. Donc, c'est égal la dimension de E moins 2. OK? Donc, on doit écrire comme ça, avec cette rédaction. Avec M lambda, c'est l'ordre de multiplicité. C'est quoi le M1 et M moins 2?
M indice lambda dans le cas général, c'est l'ordre de multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Donc, à ce moment-là, on peut déduire que A est diagonalisable. OK? Madame? Oui? Madame, Faridan, on a dit E-2. Donc, la dimension en théorie, mais c'est l'ordre de multiplicité. Donc, mais c'est diagonalisable. ماهيش دياغوناليزابل وقتها نقص اذا كان لقيت ديمونسيون نتاع او موان 2 نلقاها ا وقتها ديريكتومون مش لازم نعمل البقيه اي انا اسمي كامل نحسبهم ولا لا اي اذا كان ما لقيتوش ما هو والكيستيون لاحظ اللي هو قالك مونتري كلي دياغوناليزابل دونك باش تعرفها دياغوناليزابل معناها كيستيون دو فيريفيكاسيون بار فهمت معناها اما كان قالك مثلا est-ce qu'elle est diagonalisable ou elle l'est? Si tu te souviens, il y a E-2. Donc, si quelqu'un qui n'est pas égal à la dimension, n'est pas égal à l'ordre de multiplicité, directement, ce n'est pas la peine de déterminer E1. Mais là, la question, il a imposé d'abord calculer les bases des sous-espaces propres, base de E1 et base de E-2, il l'a dit, donc on doit le faire. Et ensuite, la question montrait qu'elle est diagonalisable. Donc, nous sommes obligés de trouver comme ça. D'accord? Sinon, c'est faux. Donc, A est diagonalisable. Alors, donner P et D tel que A est égal à P et D, P moins 1. Avec, donc, P, qu'est-ce que j'ai fait? On a dit, c'est la même chose. P égale 1, 1, 1, 1. Le premier vecteur qu'on a trouvé, base de 1. Voilà. Ensuite, on a trouvé deux vecteurs base de E-2, U et V. On les met tels qu'ils sont dans la matrice P et D. Je mets sur la diagonale les valeurs propres de la matrice qui sont 1 et moins 2. D'accord? Alors, comment je les mets? Je respecte l'ordre avec lequel j'ai fait P. Ça, c'est base de E1. Donc, je mets le 1 en premier lieu. Et ces deux vecteurs constituent base de E-2. Donc, je mets moins 2 deux fois. Chaque valeur propre est répétée autant de fois que son ordre de multiplicité. C'est-à-dire, moins 2 et son ordre de multiplicité est égal à 2. Regardez, l'ordre de multiplicité de moins 2 égale 2. Donc, le moins 2, il va être répété deux fois dans la matrice diagonale. Regardez, moins 2. Puisque aussi, on a deux vecteurs qui sont base de E-2. Donc, le moins 2, il sera répété deux fois. OK? Alors, ensuite, calculer P moins 1. J'ai utilisé encore une autre fois la méthode du système. Soit X égale X, Y, Z et grand Y égale A, B, C. PX est égal à Y, si et seulement si. Alors, oui, le P, voilà. Donc, X plus Y est égal à A. X moins Y moins Z est égal à B. Et X plus Z est égal à C. D'accord? Vous devez être un peu rapide dans l'examen. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des erreurs ou bien. Donc, il faut faire le calcul comme il faut. Hein. Alors, 1 plus 2 plus 3 pour éliminer quoi? Pour éliminer le Y et le Z. Je dois faire la somme des trois équations. Alors, j'obtiens 3x égale a plus b plus c. Si vous êtes avec la méthode de cofacteur, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez l'utiliser. Hein? Donc, 3x égale a plus b plus c. Alors, le z égale, où est le z? Je le tire à partir de ça. Le z égale c moins x, d'accord? Et le Y, je le mets ici, le Y égale X moins Z moins B. Je ramène le B ici et le Y ici. Donc, le Y sera X moins Z moins B. Alors, je divise par 3. Le X égale 1 tiers de A plus 1 tiers de B plus 1 tiers de C. Le Z égale C moins X, c'est-à-dire C moins 1 tiers de A moins 1 tiers de B moins 1 tiers de C. Donc, ça fait moins 1 tiers de A moins 1 tiers de B plus C moins 1 tiers de C, c'est-à-dire plus 2 tiers de C. D'accord?
Et le y est égal à un tiers de a plus un tiers de le x, voilà le x, je le remplace, un tiers de a plus un tiers de b plus un tiers de c, ça c'est le x, moins z, c'est-à-dire je multiplie par signe moins tout ça, plus un tiers de a plus un tiers de b moins deux tiers de c, moins b, et je fais le calcul. Alors, le x est égal à un tiers de a plus un tiers de b plus un tiers de c, le z est égal à moins un tiers de a moins un tiers de b plus deux tiers de c, le y est égal à un tiers de a plus un tiers de le z égale un tiers de a. Pourquoi un tiers de a? Je m'excuse, papa. Donc, un tiers, le y égale un tiers de a plus un tiers de a, c'est deux tiers de a. Un tiers de b moins b, ça fait un tiers de b plus un tiers de b, deux tiers de b moins trois tiers de b, c'est-à-dire moins un tiers de b. Et un tiers de c moins deux tiers de c, ça fait moins un tiers de c. Voilà. Le calcul est correct. Et le z égale moins un tiers de a moins un tiers de b plus deux tiers de c. Donc, je mets p moins 1. Là, les coefficients de x, un tiers, un tiers, un tiers. 2 tiers moins 1 tiers moins 1 tiers et moins 1 tiers moins 1 tiers et 2 tiers. Okay? Et puisqu'on a une matrice, le 1 tiers, il est sur toutes les lignes, donc je le mets en facteur. Je peux mettre P moins 1 égale 1 tiers fois 1, 1, 1, 2 moins 1 moins 1, moins 1 moins 1, 2. Donc je peux mettre le 1 tiers en facteur. Alors calculer A à la puissance n. On a A est égal à P D P moins 1. Donc, A à la puissance N égale P D à la puissance N P moins 1. Donc, j'ai la matrice P. D à la puissance N, vous vous rappelez, le D, c'est cette matrice. À la puissance N, c'est 1. À la puissance N, c'est 1. Moins 2 le tout à la puissance N et moins 2 le tout à la puissance N. Donc, ça, c'est D à la puissance N. Je le remplace. Fois le P moins 1. Je le mets tel qu'il est. Ensuite, j'ai fait le 1 tiers en facteur. 1 tiers fois 1, 1, 1, 2 moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 et 2. Et je fais le calcul normal. Calcul, je fais le produit de ces deux matrices. Je peux le mettre le 1 tiers dans la place que je veux. Donc, le 1 tiers sera là. Donc, je fais le produit de ces deux matrices. Je multiplie par la troisième matrice et j'obtiens enfin. Calcul là. Ok. Qui a une question? Ça va? Donc c'est clair maintenant les deux cas? Qui a une question? Alors, il y a un arjabil, aïhaj, la puissance de matrice, ou aïhaj, moi je fais un arjabil. Madame? Oui. مدام تو في الفاز نتاع البينوم دو نيوتن الموضوع. نرجع لها. لا مش جيت نسالك مدام يا اخي يعني ديما تلمحوا لنا مدام على الان ولا على اي بيان سور بيان سور. سينو كون فو دون نو نو لا هو يقول لك اكريغ A ايتيغال N بلس I3 باغ اكزومبل ولا A موان A ايغال N بلس I3 داكور؟ Donc, n est égal à quoi? A moins i3. Et tu n'as jamais tant la hawart que le brouillon. On va t'écrire directement A égale, tu donnes directement la matrice n et plus i3. Abna, j'ai un mari qui fait chez nous le kit à n. Aïe, il y a un affaire, madame Aïchk. Le kit à madame Aïe, arrête. Femta? Ça va. Plein de questions. C'est bon? Voilà, bonne chance. Il y a plein de questions, il y a une question par mail, donc je vous réponds toujours. Révisez bien. Donc, il faut réviser tout. Hein.
faut pas faire comme il y a une section, il y a une section dans la première premier trimestre semestre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'on a fait une série de révisions à la fin, ils ont révisé juste la série de révisions. Et l'examen, j'ai donné l'examen sur toutes les parties qu'on a vues, parce qu'un examen, c'est global, donc je dois donner toutes les parties. Alors, la moitié des étudiants n'ont pas réussi l'examen. Donc, il faut réviser tout. Comment on révise? Il faut refaire. Alors, vous avez matrice, déterminant, réduction de matrice, donc presque trois chapitres, puissance de polynômes et de catéba, donc c'est la suite de réduction. Comment on fait? Je commence toujours par les exemples du cours. Je refais les exemples du cours, un par un, je les comprends, j'essaie de les faire seul, parce que c'est très important de s'entraîner au calcul, d'accord? Alors, ensuite, je refais les séries, donc série 1, c'est bon, j'essaie de la refaire seul. Ensuite, on a une première série de révisions qu'on a vues ensemble. Il faut la refaire. Ensuite, on a le cours sur les réductions. Je refais les exemples du cours. Ou bien, ce n'est pas la peine de faire les exemples du cours pour la réduction. Je refais juste la série de révisions parce que c'est les deux exemples types. D'accord? Pour la série de réductions. Série de révision, de réduction, ça suffit. Ce n'est pas la peine de revoir les exemples du cours. Et je refais tous les exemples du TD. J'essaie de les faire toute seule. Et bien sûr, sur la puissance de matrice, je refais l'exemple qu'on a fait ensemble. Et il y a un exercice dans le TD qui ressemble à... Donc, dans lequel vous avez utilisé le binôme de Newton aussi. Ça vous donne une idée sur l'esprit de ces exercices. D'accord? Donc, je dois à chaque fois essayer de travailler les séries et les exemples seuls pour s'entraîner parce que vous pouvez facilement faire des fautes de calcul. OK? Sinon, ce n'est pas difficile. Travaillez bien. Bonne chance et voilà. Oui? Alors, le chapitre 3, comme j'ai envoyé les PDF. Alors, il y a un chapitre 3 déterminant, voilà, j'ai envoyé chapitre 3 déterminant, il y a suite du chapitre 3. Dans la suite du chapitre 3, il y a système linéaire. Système linéaire, il y a méthode, les systèmes de Cramer et résolution du système linéaire par pivot de Gauss. J'ai enlevé cette partie dans la première session. Pour la deuxième session, non. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour réviser. Donc, j'ai enlevé tout ce qui est méthode de, voilà, système de Cramer et résolution du système par méthode de pivot de Gauss. D'accord? Donc, la suite du chapitre 3 qui parle sur les systèmes linéaires ne fait pas partie de la première session. D'accord? Tu as compris? Sauf la partie sur les systèmes linéaires. Voilà. Merci, madame. De rien. OK. Bonne chance. Au revoir à tous. Madame? Oui? Madame, je suis calculatrice, vous avez? Non. Calculatrice interdite. D'accord? OK. Au revoir. Slema, c'est pour la fille. Pour la fille. Pour la fille, madame.